Comment vous appelez-vous, monsieur, avec la chemise rose? Jeff. Ça va, Jeff? Tu fais quoi dans la vie, Jeff? Prof. Prof? Prof de quoi? Technologie. De technologie? Prof de techno, Jeff? La vie de ma mère, tu as la tête d'un mec qui travaille dans un PMU. Tu veux pas être prof de techno? Mais ça se voit qu'il cherchait, le mytho. Vous êtes avec Sophie d'avant? Ça va, Sophie d'avant? Affaire conclue, il y a quoi à vendre? On a un premier rang, il est exceptionnel. Tu es vraiment prof de techno, Jeff? Ou tu mens? C'est la vérité. Quel collège? À Cannes. À Cannes. Le nom du collège? Les Componières. Les Componières? Les Componières. Ça existe? Vous le connaissez, le prof de techno? Avec chemise rose de PD? Non, vous le connaissez pas. T'as une belle chemise, hein? J'ai deux doigts de bandé, mais là je me retiens. Il y a un mec de l'Amérique là qui me regarde. Jeff, tu parles un petit peu anglais? Pas trop, tu es prof de techno, je suis un zgeg, moi je pose la question. Oui, j'ai pas vu le monsieur en fauteuil roulant, ça va monsieur? Bon, ça va, je peux pas vous dire ça marche, parce que ça ne marche pas. Zach, tu te mets derrière lui comme si on fait un touch-up 2. C'est une bonne blague, c'est une bonne blague. Ça va mon frérot, tu vas bien? Tu te mets au premier rang, je te nique aussi frérot, il n'y a pas de... C'est pas parce que tu as des petits pieds que je vais pas te niquer frérot. Moi je tape tout le monde, hein. Handicapé, pas handicapé, noir, tout le monde. Comment tu t'appelles? Adam? Wada. Wada? C'est prénom Wada? Tu vas bien Wada? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Ah oui. Imagine, il dit ouais, je cours le 100 mètres, fils de pute. On m'appelle Wada Bolt. Voilà. Passe un bon moment, tu rigoles. Je vais te faire un sketch, normalement, tu repars. Tu repars, c'est comme ça, j'ai pas. Oh, le fils de pute. C'est un miracle. Tu es venu comme ça, tu vas repartir, grand corps arabe. Tu vas marcher. Non, on va te faire marcher. C'est un miracle, ce soir. Non, c'est un sketch, il est chaud. Je vous dis, il est chaud. C'est un sketch que je joue pas partout. On va y aller, c'est un sketch qui me... C'est un peu... C'est chaud à le faire, mais on va le faire. Elle est qui en train de mourir? Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vas-y, Redouane. Ça va, madame? Une pub pour Heineken. Vas-y, Redouane. Niquez. Allez, on va avec toi, vas-y. Pourquoi pas? Isabelle Mergoury. Allez, merde. Comment tu t'appelles? Douli. Ouais, c'est Douli. Elle a changé la voix. Tu dis comment tu t'appelles? Ça, Jessica. Ça va, Jessica? Très bien. Mais c'est ça, ta voix? Non, mais ta voix, elle est bien quand tu parles normal. C'est pas... Oui, Jessica. Tu veux quoi, Jessica? Tu passes un bon moment, Jessica? Super. Tu as cru que c'était une conférence? Non, je sais pas. Tu as cru que j'allais présenter l'iPhone? Oui, ceci est une révolution. Jessica, si toi ta grand-mère, laisse-moi faire le sketch. Vas-y, chauffez tout seul. Oui, ça va bien. Oui, très bon. Je crois que vous êtes 4 personnes à l'intérieur de toi, Jessica. 4 personnes. T'es venu avec qui, Jessica? Romain. T'es venu avec qui, Jessica? Je suis venu avec Romain. C'est le papa de mes enfants. Ah, super, t'as des enfants? Second, les pauvres. Tu les as eu en 78? Mais tu as quel âge, Jessica? Je sais pas, parce que ça fait bizarre. Tu as le corps d'une jeune et une tête de vieille. 9 semaines et demie, elle a les jambes de Kim Basinger et la tête de Mickey Rourke. Non, bah, tu savais? Moi, je ne veux pas grimper là. Tu veux pas grimper? Ça va, t'as vu mon visage? Ouais, je vois ton visage. J'ai pas encore fait de botox. T'as pas fait de botox? Non, mais je vais. Ben, il faut y aller. Elle est frippée, elle m'a dit j'ai pas fait encore de botox. Tu sais qu'ils sont venus me voir à moi à la base. Moi aussi. Bon, ça va, j'ai t'as vu, je t'ai mis sur Facebook. Tu m'as mis sur Facebook de partout? C'est grâce à toi qu'on est complices. C'est ça.
elle m'a dit, c'est mis sur Facebook de partout. Elle a 14 abonnés, ses deux enfants, ses proches. Tu as trois amis. Ça va, Jess? Tu fais quoi dans la vie? Je suis éducatrice spécialiste. On vous ramène des enfants en difficulté, elle les encule. C'est pas Jessica qui s'occupait de... Mais un maximum de bruit pour Jessica. Merci. Non mais vraiment bien. Mais c'est beau. Non mais garde ton visage frippé. Je te jure, t'es belle comme ça. Je te jure. Elle est très belle. Je te jure, t'es très belle, Jessica. Je te jure. Mais plus jamais les robes qui habillent. C'est quoi? C'est la Corse. C'est la Corse? Ça fait un peu indienne, non? Ça fait indienne, ouais. Il y a Cordula qui va venir te relooker, cousine. Elle va venir. Ma chérie, tu es dégueulasse. Ma chérie, tu es magnifique. Un maximum de bruit pour... Elle va rentrer à la maison, les enfants, mais maman, pourquoi t'as fait ça? On était bien, le spectacle se déroulait bien. Elle allait faire le spectacle. Un scooter. Mais merci, Jessica, pour ton intervention. Mais super. Non, laisse-la, parce qu'il y a des gens comme ça. Tu sais, il y a des gens, avant le suicide, ils viennent me voir. Ils se disent, est-ce qu'on peut continuer à vivre ou on quitte l'aventure? On continue à vivre. Les jours, je reçois des messages comme ça, des gens comme Jessica. Ça fait plaisir, Jessica. C'était magnifique, éducatrice spécialisée. Je ne sais pas qui t'a donné le diplôme, mais on va en discuter. Il y a des gens qui travaillent qui ne devraient pas travailler, n'est-ce pas, Régis? Mais... c'est la magie de Saint-Raphaël. Vous êtes tous de Saint-Raphaël? Non. Alors, Fréjus? Hello, Hafida. Je sais qu'il y a la soeur d'Adjid Rami qui est là. Hello, Hafida. Ça va, Hafida? Tu vas bien? Ton frère m'a rendu fou. Super, il faut que tu trouves des prêts pour moi. Il me parlait dans le téléphone, ça me crachait dans l'oreille. Qu'est-ce que c'est? Très important pour moi, parce que ma grande soeur, elle est là. Il faisait beau, il se retrouve à pleuvoir. Adil, je l'adore, Adil. T'es avec Pamela. Ouais, Pamela. Il sortit avec elle parce que tous les deux couraient au ralenti. Mais il suffit de pas du monde, sans respect, c'est comme tout le monde là-bas. Je t'inquiète pas, je vais pas parler de toi.